Daar zijn we dan terug voor de man van de match. Naast mij Xavier Louis-Saint. Félicitations, Xavier. Merci. Man of the match. Ça fait toujours quelque chose. Moi, c'est toujours bien, ça fait plaisir. Vous avez été blessé début de saison. Maintenant, vous êtes de retour. Quelle est l'atmosphère dans le groupe? Bah, tout se passe pour le moment très bien. Et on a un groupe d'une vingtaine de joueurs et on vit bien ensemble. Et tout va bien, surtout les résultats y suivent cette année. Donc on est bien parti, on est toujours vaincu après 9 matchs. Donc c'est très bien. Ostend, deuxième place, 19 points. Vous avez espéré ça au début de saison? On espère toujours le meilleur. Hein. Maintenant, c'est un peu surprenant de nous voir là, mais je pense qu'on n'a pas volé nos victoires. Et on va essayer de continuer encore le plus longtemps possible. Le groupe, mieux que l'année passée? Mieux, je sais pas, différent. C'est toujours différent, mais il est au moins aussi bon que celui de l'année dernière. Donne-moi un pronostic pour cette année. En mois de mai, quelle place pour KV Ostend? Le plus haut possible, j'espère. Ok, mais je suis content pour vous parce que vous êtes revenu de loin. Ouais, il y a eu la petite blessure derrière la préparation. Bah, ça n'a pas été évident. Mais bon, c'est passé maintenant, ça va. Je suis content pour Merci. Vous. Vous êtes aujourd'hui choisi comme man of the match. Vous gagnez un chèque de 25 euros pour aller manger au Charles Lindbergh. Waarvoor ik nogmaals Alain Tournois van harte bedank. En vous avez aussi une bouteille de cava ici à l'horizon pour le match, il faut boire les verres pas direct avant le match, après le match. Hein, ok, pas de problème. Alors, il y a aussi plusieurs supporters qui ont voté. Et qui ont. Ja, maar ja, er was nog een scheftingsvraag. Bij welke ploeg speelt ex-KVO-speler Yannick de Keizer momenteel? Een makkelijke vraag zou zijn. Dat was te rood. Het juiste antwoord. Er zijn verschillende mensen die namelijk voor Xavier gekozen hebben en ook die scheftingsvraag vanzelfsprekend hebben gewonnen. Dus we gaan al die briefjes omdraaien. En er zijn er veel. En we gaan Xavier laten kiezen wie hij namelijk ook de gelukkige maakt om te gaan eten in de Charles Lindbergh en een fles cava drinken in de horizon. Xavier, vous pouvez choisir. De gelukkige winnaar is die op Xavier namelijk heeft gekozen en ook Torhout heeft aangeduid als ploeg, is Alexander Ruitenhoven. En Alexander Ruitenhoven woont in Leffingen in de Slijpse Steenweg. Dus ik zou zeggen, Alexander Ruitenhoven komt de prijs halen op het secretariaat bij onze vriend namelijk en administrator, namelijk beheerder André Catillon. Dan kan u hier u namelijk uw Horizon Cava en uw cheque voor Charles Lindbergh namelijk komen afhalen. Xavier, semaine prochaine, pas de match. Peu de repos. Mardi, Club Bruges et de repos. Et alors, on y va pour les matchs pour Tubis et les autres matchs. Félicitations encore. Merci. Merci. Dank u wel en tot een volgende lineage.